Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques, d'autre part, de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèkchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorientée ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. De ses propos, il ressort des accusations graves et infondées. D'une part, la qualification de la nature civile des victimes à partir des médias est aventureuse et diffamatoire. Et d'autre part, en affirmant que les opérateurs de drones n'ont de compte à rendre à personne, il alimente une campagne de désinformation contre le Mali, tout en soutenant l'idée que les vaillantes forces de défense et de sécurité maliennes seraient incapables de piloter des drones. Il me plaît ici de rappeler que la montée en puissance des FAMA n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible qui a permis de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national. Décider à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et honorer la mémoire des victimes, civiles comme militaires, sahéliennes comme étrangères, de la barbarie, déterminés à défendre l'intégrité de leurs terres et assurer leur prospérité de manière pacifique. Comme le stipule le préambule de la charte du Liptako-Gourma, qui fait référence à plusieurs organisations internationales, notamment la CEDEAO et les valeurs universelles. Au Seigneur de la guerre et du chaos, avec l'aide de Dieu, nous triompherons encore et toujours de vos œuvres funestes et diaboliques. Curieusement, depuis la création de l'AES, nous avons été surpris par l'hostilité farouche avec laquelle elle a été accueillie, en particulier par certains responsables de la CEDEAO, aux ordres d'entités impérialistes et néocoloniales. Le reste de l'histoire est connu. Amadou Ampateba disait, je cite, « À trop vouloir jeter une grenouille qui vous dégoûte, elle finit par tomber dans une bonne mare. » Fin de citation. La Confédération des États du Sahel est ouverte à tous les investisseurs, à condition que le partenariat profite aux populations sahéliennes et à la condition de respecter la souveraineté des États. Dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Avec, et je me dois de le déplorer du haut de cette tribune, le soutien de sponsors étatiques étrangers. Les sponsors étatiques étrangers. Après des années de dénonciation de ces acteurs étatiques qui soutiennent le terrorisme international, les autorités ukrainiennes ont violé ouvertement et de manière inédite la Charte des Nations Unies ainsi que les conventions et résolutions pertinentes des Nations Unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. Lorsque des officiels de ce pays, ayant confondu la scène internationale et la scène de théâtre, ont avoué la participation active de leur pays à la lâche attaque terroriste ayant visé une patrouille des forces de défense et de sécurité du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzawatin dans la région de Kidal. Le drame du Mali remonte à l'allégeance à Al-Qaïda du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien le 11 septembre 2006, exacerbé par l'intervention militaire hasardeuse de l'OTAN en Libye en 2011. La déstabilisation de ce pays frère a aggravé les facteurs d'insécurité dans nos pays, à savoir le terrorisme, les trafics en tout genre, le blanchiment de capitaux, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, et les actions violentes d'individus isolés. Pour leur part, les autorités maliennes, après avoir fait le constat de l'échec des forces internationales présentes sur le territoire national depuis 2013, ont décidé de reprendre leur destin en main. Ainsi,
depuis le 7 juin 2021, après la prestation du serment de son Excellence le colonel Assimi Goïta comme président de la transition chef de l'État, s'est ouvert un vaste chantier d'équipement et de réorganisation des forces de défense et de sécurité associé à un projet de refondation du Mali. Concernant l'usage des drones, les opérateurs sont bien des Maliens qui agissent avec professionnalisme à l'instar du reste des forces de défense et de sécurité maliennes et traitent les cibles terroristes suivant des procédures conformes aux normes internationales. À titre de rappel, il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme, déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne, ont mis en exergue la question subversive du qui tue qui. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste très attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi, sommes-nous préoccupés par le niveau de violence au Moyen-Orient, notamment dans les territoires palestiniens occupés. Le peuple malien réaffirme son soutien au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour l'autodétermination. Le gouvernement du Mali réitère son appui à la solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Nous condamnons sans réserve l'usage indiscriminé de la force par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Au plan humanitaire, le Mali est préoccupé par la situation précaire des millions de réfugiés et de déplacés internes dans le monde, du fait des conflits armés, des catastrophes naturelles et des changements climatiques. J'ai en ce moment une pensée toute particulière pour mes compatriotes réfugiés dans les pays voisins, pays que je remercie pour leur hospitalité et leur générosité. Je voudrais les assurer que le gouvernement malien ne ménagera aucun effort pour continuer à les assister et pour créer les conditions leur permettant de rentrer dignement et en toute sécurité dans leur localité d'origine. Les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations Unies. Dans la même veine, le Mali continue de plaider pour la réforme de la gouvernance mondiale politique, économique et financière afin de créer les conditions optimales et justes du développement de nos pays. Dans cette dynamique, le Mali continue de plaider pour la réforme des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. De même, nous saluons les modèles alternatifs et crédibles tels que les BRICS. Les changements climatiques constituent également une menace réelle pour les générations présentes et futures. Nous devons avoir le courage de sortir du dogmatisme ambiant et des jeux d'intérêts étroits concernant cette problématique. À cet égard, le temps est venu de mettre effectivement en œuvre les décisions de nos sommets et de nos COP. Il est nécessaire que les pays à l'origine du réchauffement climatique assument leurs responsabilités pleines et entières, y compris celle de soutenir les efforts des pays du Sud pour un développement respectueux de l'environnement. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais faire observer que cette 79e session de l'Assemblée générale se tient dans un contexte de défis immenses pour nos États et pour nos institutions multilatérales. La paix et la sécurité internationale n'ont jamais été autant menacées.
depuis les deux grandes guerres, y compris par le terrorisme international et l'extrémisme violent. Dans un tel contexte, il sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en termes d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, d'énergie et de justice. Cependant, malgré ces péripéties, le Mali reste disposé à jouer toute sa partition dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux et internationaux, tout en gardant un certain espoir en l'avenir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse la Confédération des États du Sahel et préserve les populations sahéliennes des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. Je remercie Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation du Mali.